appétit. Ah, merci. C'est excellent. Comme là, il y a tous des hauts fonds partout. On va quand même être à côté, quoi. On est sous voile et tout. Mais tout va bien. Yes. We've made a booking for 11 o'clock. Yeah. And we spend a lot of money, of course. Again. Again. Bon matin. Bonjour. On va où ce matin? On va se faire dépuceler le nez. Ouais, moi j'ai pas très envie de faire ça, mais enfin bon, on n'a pas le choix. Hein. Je serai plus vierge du nez. Amen. Voilà l'hôpital où on va aller faire notre test Covid. Covid dans la salle d'attente. Voilà. Donc on avait rendez-vous à 11h, on est bientôt midi, je crois. Normal. Ils en prennent 50 par heure. En principe. En principe, ouais. Ça, c'est écrit sur le site internet. Et on était 4 hein, aujourd'hui. Les autres sont en retard. Voilà, tous les autres sont en retard. Puis il y en a 50 qui viennent pour l'heure suivante. Ça m'étonnerait. Ouais, moi aussi. Voilà, donc on attend notre tour. Both. Ton nez est toujours vierge. Mon nez est toujours vierge. Yes. Finish. Yeah. Open your mouth. Non, ça va, c'est pas catastrophique. Allez. Il t'a fait le nez? Non. Je voulais pas. Ça c'est fait. Voilà, le Covid test c'est fait. Et je suis toujours vierge du nez. Ouais, il a pleuré devant le docteur pour lui dire ouais, vous me faites pas dans le nez, vous me faites pas dans le nez, s'il vous plaît. Bah il m'a fait dans la bouche. Voilà. Bah, donc, moi j'ai eu les deux, hein. Oui, mais t'as vu à quelle profondeur il est rentré dans ton nez. Bah moi je vais vous dire. C'est pas une légende, hein. Les hommes c'est des mauviettes. Ouais. Mais il est rentré ça dans le nez à Corinne. Hein. Hakuna Matata. J'ai chaud. Bah, il fait bon, il y a de l'air. Viens de voir cette végétation, c'est juste... C'est superbe. Hein? Magnifique, quoi. Ça, c'est des racines de... Je sais plus quoi, mais ils mangent les racines. Ouais. De je sais plus quoi.
ce monstre là, c'est des clous de girofle. Ceux qui sont prêts, c'est ceux qui ont la petite fleur. Parce qu'après, bon, ben, ils prennent la poignée et en tiennent. Là, je vais prendre que celui-là. Après, hop là. Après, ils frottent comme ça. Et voilà. Ok. Le clou de girofle. Le clou de girofle classique, comme on le connaît avec les quatre, ouais. Les quatre griffes. Je viens goûter une feuille, là. Elle a vraiment le goût du clou de girofle. Bon, ben là, il n'y en a plus parce que ça a déjà été ramassé. Mais c'est là, entre au pied de chaque feuille, ils ramassent clou par clou. Jusqu'au en haut de l'arbre. Mais l'odeur des feuilles. Oui, et même tu le mets dans la bouche, ça te. Hein. Clou de girofle. Tu veux un bec au goût clou de girofle? Allez, ben, oh, à défaut de la capote papet vaudois. Ah ouais. C'est ça? Il y a le goût de clou de girofle, effectivement. C'est l'explication aux pêcheurs comment faire le nœud de chaise. Il y a 25, entre 25 et 28 nœuds de vent. Et voilà les embarcations locales, pas de problème. Et ça remonte au vent, c'est juste magnifique. Une voile fabriquée avec des toiles de jute. Voilà. Santé là. Santé. Allez, servez-vous. Je suis en espagnol. En direct du bateau Blue Wave avec Amandine et Fred et nos amis Lane et Kay de Mai Tai. Charlotte qui court dans tous les sens. Et voilà, qu'est-ce que tu nous apportes de bon, Fred? Un petit apéro là. C'est-à-dire caviar d'aubergine et puis je sais pas, une création. Création, ah oui. Anniversaire, happy birthday to Chacha. Happy birthday to you. Hip hip. Ouais. Hip hip. Ouais. Hip hip. Ouais. Hip hip. Ouais. Tu veux l'ouvrir? Je peux l'ouvrir. Oh, quand même, tu peux. Regarde, tu l'ouvres là, là. Eh bien voilà, nous sommes à Vété, en attente de pouvoir quitter le territoire de l'île de Pemba, donc la Tanzanie, et on voulait partir demain, mais ça ne va pas être possible, on va devoir attendre 2-3 jours. La météo est vraiment pas bonne. Quelle va être notre prochaine destination? Je vous laisse deviner.
D'accord. D'avance. Oui, mais c'est compliqué, hein, ce drapeau. Franchement, je vais me plaindre au gouvernement. Bah, vous avez deviné. J'ai fini le prochain drapeau pour notre prochaine destination. Maintenant, devinez où on va. Ta-da ! Recto verso. Elle est mieux de ce côté. Ouais. Voilà, j'ai essayé de faire un bord en noir, mais ça donne pas terrible. Ouais. Blanc, c'est mieux. Ouais. Ok. Allez, ouais. À vous de jouer. Mais non, faut pas me filmer. Fais quoi ? Bah, je prépare un chutney, puis les oignons, ça me fait pleurer. Mais pourquoi tu parles du nez ? Ah, voilà. Alors, bienvenue sur Javerne avec l'équipage Mai Tai. Salut! Et vous les connaissez maintenant? Blue Wave! Blue Wave, Fred, Amandine et Charlotte qui dépasse. Et la maîtresse de maison. Et voilà, l'admiral. L'amiral du bateau. Voilà, une petite soirée sympa au mouillage à Pemba, l'été, donc. Eh oui. Toujours une soirée sympa. On a des amis qui sont en Sardaigne actuellement. Chimène, qui est la compagne de Christian, m'a demandé comment couper les cheveux à son chéri. Donc, on va faire un live tout à l'heure. Coucou Christian, coucou Chimène. Et puis, bienvenue pour ce cours de coiffure à distance. Donné par la professionnelle qui est derrière moi. Salut! Je serai le cobaye. Donc, je t'écoute, Corinne. Alors, Chimène, tu vas commencer par allumer ta tondeuse, à mettre le sabot numéro 6, 6 mm. Non, c'est parfait. Fais un petit tour. C'est tip-top. Impeccable. La tondeuse, hein, tu prends le coin de la tondeuse, pas toute la surface de la longueur, juste le coin. Ouais. Tout ce qui dépasse, tu coupes. Faut pas bouger. Encore. Mmh. Vous voyez ce que je suis obligée de faire? Je suis obligée de lui donner de la donner tête. Le biberon. Le biberon. Oui, joli le coup d'œil. Bravo. Voilà, t'as quelque chose à dire? Eh ben voilà, une petite coupe à distance. Voilà comment on fait. Si vous avez besoin de mes services, ben vous m'appelez. Coucou tout le monde. Non, on va pas faire coucou. Bon. Pas faire coucou. Bon. Donc, on vous fait une petite vidéo où on est tous les deux parce que j'ai eu l'idée, des amis m'ont donné l'idée de faire un tuto comment couper les cheveux quand on est navigateur ou qu'on n'a pas accès à des salons de coiffure. Donc, prochainement, on va faire une petite vidéo explicative comment faire une coupe homme ou femme cheveux courts. Avec une tondeuse et un ciseau. Donc on finit toujours le dessus de la tête pour les personnes qui ne veulent pas des cheveux trop courts avec un ciseau. Donc ça sera une partie, je vais vous montrer comment utiliser la tondeuse et une partie comment utiliser un ciseau. Donc tout ça sera fait dans une prochaine vidéo. Et j'espère que ça pourra être utile à quelques navigateurs ou autres pour des futurs... coupe façon made in Javerne. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, t'es quand même coiffeuse. Bah oui, ça c'est ton boulot. Ah oui. Donc vous voyez hein, le résultat de la chose là. Bon, pour lui je peux pas faire grand chose parce que malheureusement
ça se dégarnit très rapidement. Mais enfin, je fais au mieux. Hein. Avec ce que t'as, voilà. Bon, ben voilà, donc l'idée, nouvelle vidéo, tuto spécial coiffure par la professionnelle ici. C'est ça. C'est ça. Faudra bien écouter, hein. Les explications, elles vont être assez faciles à comprendre. C'est une coupe qui est facile, les cheveux courts. Et puis... Faut préciser que c'est une coupe tondeuse. Ben, j'ai dit ça déjà. T'as déjà dit, ouais. Ok. Mais c'est vrai que je dois souvent répéter les choses je avec toi. Ok, alors à bientôt pour ce tuto. Ça va vous en dire bientôt. Ciao, ciao.